Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, nous allons parler du jour magique du 23-9-23. 23 septembre 2023. Donc, c'est un jour magique, vous le savez. Alors, sur le compte, il y a l'explication de ce que c'est qu'un jour magique. En fait, la calligraphie de ce jour-là influence le cerveau en mode positif, le plus souvent. Donc, même si vous signez un gros chèque. Donc ce jour-là, eh bien, ça sera un jour où vous aurez... c'est un jour pour l'affectif, pour le relationnel, pour aller revoir des anciens amis ou essayer de les recontacter, voir votre famille, des personnes âgées que vous oubliez un peu trop souvent. C'est un jour pour faire des rencontres, du positif et des rencontres positives. Alors bien sûr, si vous restez dans votre coin, vous ne serez pas ouverte et sympathique, donc la rencontre ne peut pas se faire, d'accord? Donc c'est un jour très charmant pour vous, pour beaucoup de gens. Le mois de... Ouais, ce mois-là, voilà, n'hésitez pas, ce jour-là, du mois de septembre, n'hésitez pas, sortez, faites-vous mignonnette, ou tout petit mignon, et oui, voilà. Et puis, alors, attention, il faut pas, si c'est un monsieur, il faut pas, monsieur, que vous soyez un peu trop, voyez, il faut... souriant, distingué, classe. Voilà, on vous demande d'être distingué et classe. De ne pas sauter sur la personne et de ne pas lui faire peur, quoi. Voilà, soyez sympa, doux, tendre, serviable. Et puis, mesdemoiselles, ayez confiance en vous. Et alors, comme je vous ai dit pour le relationnel des amitiés, vous faites ce que vous devez faire. Mais pour rencontrer des messieurs, c'est une belle journée pour ça. J'espère que vous y parviendrez. Voilà pour le jour magique du 23 septembre 2023. Merci, n'oubliez pas d'approuver. Au revoir.